DIY, il vous faudra autant de bouteilles de verre que souhaité, de préférence avec des formes différentes, quelques fleurs et de la peinture en spray dorée ou argentée. Alors la première étape, ça va être de peindre les bouteilles avec de la peinture en spray. N'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre et de protéger la table sur laquelle vous le faites. Final, une fois que vos bouteilles sont peintes, vous les laissez sécher une bonne heure et puis vous mettez un petit peu d'eau, vous mettez les fleurs que vous voulez et moi j'ai déposé ça sur mon buffet avec quelques autres décorations et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. DIY, il vous faudra une bougie, un bocal, de la décoration végétale, donc pourquoi pas un peu de sapin, du lierre, des petites pommes de pin et aussi de la neige en spray pour recouvrir la décoration végétale. Au préalable, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de fausse neige sur vos feuillages et ensuite c'est tout simplement une question d'assemblage, donc vous mettez au fur et à mesure vos feuillages comme vous le voulez dans votre bocal et le plus important c'est que la bougie reste présente et que surtout elle soit bien au milieu, mais après c'est vraiment une question de goût et à l'appréciation de chacun. Moi je dépose ça sur un buffet mais libre à vous de faire comme vous voulez. J'ai mis quelques feuilles de lierre et quelques pommes de pin suivies de ma plante verte comme d'habitude. Mais encore une fois, c'est vraiment comme vous voulez selon l'effet que vous souhaitez. DIY, il vous faudra des pommes de pin, je ne l'ai pas précisé mais vous en trouvez dans la nature très logiquement, ou sinon des magasins comme Casa, et la plupart du temps en plus elles sont peintes donc c'est plutôt pas mal, des boules de Noël, de la colle, des paillettes, moi j'ai choisi des paillettes dorées, un pinceau pour mettre la colle et ensuite des branches avec un grand vase que pour ma part j'ai acheté chez un fleuriste. Alors la première étape va consister à mettre de la colle dans le fond du vase avec un pinceau et ensuite de saupoudrer de paillettes. Ensuite, une fois que vous avez mis les paillettes, il ne vous reste plus qu'à mettre les branches dans le vase. Maintenant qu'on en est à ce stade, vous pouvez accrocher quelques boules de Noël sur les branches. Et donc voilà une idée de décoration pour une table basse par exemple.